les gaufrettes! On espère que vous allez bien! Nous sommes en plein milieu de l'hiver. Vous devez vous cuisiner régulièrement de bonnes soupes de légumes. Ça fait du bien quand il fait froid. Mais bientôt, la fête des amoureux! Alors nous allons vous proposer une entrée pour épater votre Valentine ou votre Valentin. Découvrons-la ensemble avec le jeu de la semaine! Ça promet d'être délicieux tout ça. On se lave les mains et... Direction cuisine! Commençons par les choux. Pour la pâte, il faudra 150 g d'eau, 80 g de beurre en morceaux, une pincée de sel, 2 cuillères à café de sucre, 120 g de farine et 3 œufs. Dans le bol, je mets l'eau, le beurre, le sel et le sucre. Je chauffe 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. J'ajoute la farine et mélange 20 secondes, vitesse 4. Je retire le bol, l'ouvre et laisse refroidir 10 minutes. Sans le gobelet doseur, je démarre mon robot sur vitesse 5 et ajoute les œufs un à un sur les couteaux en marche. Après le dernier œuf, je programme 30 secondes, vitesse 5. Je poche des choux sur une plaque préparée en les espaçant de 5 cm. Ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Les choux doivent être dorés. J'éteins le four et entrouvre la porte pendant 10 minutes afin de laisser la pâte sécher. Puis je sors la plaque et laisse refroidir complètement. Pour la mousse, il faudra 1 cuillère à café de baie rose, 2 cuillères à café d'aneth, 250 g de tarama et 100 g de saint-mauré. Dans le bol, je mets l'aneth et les baies. Je hache 10 secondes, vitesse 6. J'ajoute le tarama et le fromage, puis mélange 30 secondes, vitesse 3. Je transvase dans une poche à douille cannelée. Ça part au frigo pendant 30 minutes. Je coupe les choux aux trois quarts de manière à obtenir des chapeaux. Je garnis les choux et repositionne le chapeau. Passons aux verrines. Pour la mousse, il faudra 200 g de betterave cuite, 170 g de thon au naturel, 170 g de fromage blanc, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une gousse d'ail, une demi-cuillère à café de sel et une pincée de poivre. Dans le bol, je mets la betterave en gardant un quart. Le thon, le fromage blanc, le vinaigre, la gousse d'ail, le sel et le poivre. Je mixe 1 minute, vitesse 10. Je répartis dans les verrines.
l'émulsion, il faudra un demi-bouquet de persil, une demi-gousse d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe d'eau, une demi-cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe et demie de crème épaisse, une demi-cuillère à café de sucre glace, une pincée de sel, quelques cubes de feta. Dans un bol propre et sec, je mets tous les ingrédients, sauf la feta. Je programme 1 minute, vitesse 10. Je racle les parois du bol et mixe à nouveau 30 secondes, vitesse 10. Je répartis par-dessus la mousse, puis dépose quelques cubes de betterave et de feta. Coloré, délicieux et festif, pile ce qu'il nous fallait. Exactement, et nous remercions Morissette pour la recette d'Everine. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des fiches recettes tous les 15 jours. Pas de limite de nombre de gagnants, pas de limite de nombre de tentatives. Il suffit d'être dans les temps. Ça se passe sur nos réseaux sociaux, les liens en barre d'infos. On se retrouve dans 2 semaines, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.